Bonsoir à tous. Merci à Sébastien, à Sylvain et donc à l'École du Jardin Planétaire de nous avoir invités. Je vous remercie aussi d'être aussi nombreux parce que ça, c'est pour nous, c'est très très important. Je pense que beaucoup de personnes nous connaissent, mais pour les personnes qui ne nous connaissent pas, je vais faire une très petite présentation. Donc Claude et Lydia Bourguignon, on travaille, nous étions des anciennes personnes, enfin Claude était chercheur à l'INRA et moi j'étais ingénieur agronome donc à l'INRA. Claude travaillait sur la microbiologie des sols et moi je travaillais sur la qualité des aliments de l'homme. Donc vous comprenez qu'on était, Claude était en bas et moi j'étais au-dessus et en fait on essayait de faire le lien. Et dans les années 80, puisqu'on a quitté cet institut en 90, on va faire les 25 ans de l'anniversaire des 25 ans de notre laboratoire. Les années 90, l'écologie, l'environnement, ce qui vous préoccupe ce soir était très très loin d'être dans les esprits, voire extrêmement compliqué et sans se mettre les épaules en avant et vouloir se mettre en avant. On a vraiment fait partie, Claude et moi, Pierre Rabhi et certains d'autres, et beaucoup d'autres, ce qu'on appelait les lanceurs d'alerte pour essayer de faire comprendre que en fait, ben, y avait quelque chose qui ne tournait plus quoi, sur la planète et qu'elle n'était pas aussi large, enfin aussi riche et aussi plaisante pour le nombre d'habitants que nous sommes à l'heure actuelle. Et on a essayé de dénoncer, et je pense que la conférence, même si on va essayer de donner un message d'espoir, mais je le dis tout de suite au début, il faut prendre conscience que ça ne va pas si bien que ça, que les multinationales sont derrière et que, eh bien, il faut vraiment se bouger et que même si on fait croire le Grenelle de l'environnement, qu'on fait d'énormes efforts, quand on est sur le terrain, je peux vous assurer que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc vraiment, on est dans une position, je pense, d'avoir des actes de résistance pour éviter que, eh bien, en fait, le profit, ces multinationales, ben, nous croquent tout cru. Donc, le début, moi, de ma conférence, c'est toujours moi qui met le mauvais point, quoi, ce qui ne va pas. Et puis après, bon, ben, on vous dit, et heureusement, il y a des messages d'espoir qu'on peut. On peut modifier les sols, on peut repartir en arrière. Par contre, il faut vraiment relever les manches, il faut vraiment se donner le mal et penser différemment. Alors, le sol, pour beaucoup de gens, c'est un support et puis ben, il y en a des épaisseurs, on a l'impression que c'est presque éternel. En fait, le sol, c'est un peu comme nous. Hein. On dit qu'il naît, puis après, il est mature, hein, devient adulte, et puis tous les sols, de façon naturelle, si on n'exagère pas, avec un certain temps, en fait, les sols meurent, disparaissent. Le problème de notre époque, de nos époques qui va très très vite, eh bien, on a accéléré très très vite la mort des sols et on les perd à une vitesse qui est beaucoup trop trop importante. Je vous montrerai, je vous donnerai les chiffres après. Le problème du sol, c'est ce que je vous ai dit, c'est un complexe, c'est un milieu qui est organo-minéral. Et pour faire cette attache, en fait, ce sont des attaches électriques, le plus et le moins. Donc, quand il faut plus et moins, ça s'attache et on aura la matière organique qui est négative, la matière minérale qui est négative et on a des éléments, le calcium, qui va permettre d'attacher. Donc ça, dès que vous avez une perte d'un élément, eh bien c'est extrêmement fragile parce que c'est une attache électrique plus soin. Donc ce qui fait que les sols, c'est pour ça qu'on peut les détruire complètement. Si vous enlevez un plus ou un négatif, eh bien vous ne pouvez plus faire ce complexe. Donc il est d'une très très grande fragilité. Donc on peut le détruire. Donc ça, on s'en prive pas. Et puis une autre chose qui est très très embêtante, c'est que comme c'est un milieu organo-minéral, quand vous le polluez, quand on met une molécule polluante ou un pesticide ou un insecticide ou d'autres choses, en fait, il va rentrer dans le complexe organominéral. Il va pénétrer à l'intérieur. Donc, même quand on le retire, quand on arrête d'en balancer sur les sols, eh bien, en fait, là, il est pendant des années. Il faudra énormément de temps pour dépolluer. Donc, quand un sol est malade, quand un sol est pollué,
La dépollution de ce sol est extrêmement longue, parce qu'en fait, c'est à l'intérieur. Donc, on voit que le sol est une vraie fragilité et on ne s'en occupe pas, on en parle très très peu. Il n'y a aucune directive européenne sur le sol. C'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quoi, si vous pouvez acheter le produit, vous pouvez le mettre, on ne vous dira rien, parce qu'il n'y a pas de directive de protection des sols. Et quand on discute avec les députés européens, c'est sous le boisseau. Mais il y a tellement de lobbies de ces grosses multinationales qui ne veulent pas que ce soit signé. Parce que si c'est signé, eh bien pour eux, ça pose un vrai problème pour vendre. Donc on voit bien, et ça c'est une des luttes, nous, sur lesquelles on essaie de voir, d'informer, de demander à des politiques de mettre une directive européenne pour protéger les sols. L'agriculture, ce n'est pas quelque chose qui date depuis que les hommes sont sur Terre. Elle n'a commencé, bon, selon les écrits, selon ce que l'on, la littérature, on dit entre 6000 et 10 000 ans. Avant, les hommes étaient itinérants. Ils avaient, donc les hommes chassaient, cueillaient, et c'était les femmes qui cultivaient la terre. Et quand il y avait trop de mauvaises herbes, c'était trop compliqué, en fait, ils se déplaçaient. Il y a 6000 ans, les hommes ont voulu, se sont arrêtés de bouger, ont commencé à construire la cité, à faire des villes. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a eu un problème énorme, et c'est le problème de tous les agriculteurs à l'heure actuelle, c'est d'essayer de lutter, entre guillemets, contre les mauvaises herbes. On pourrait les appeler différemment, les adventices. Ces plantes sont indispensables pour comprendre les sols. En fait, ils ont été confrontés à ça, et donc ils ont commencé à travailler le sol. Mais ils travaillaient à la main, avec des outils peu difficiles. Donc en 6000 ans d'agriculture, l'homme a créé 2 milliards d'hectares de désert. Mais nous, en un siècle, on en a fait 1 milliard. Et là, dans les 100 dernières années, on met la pédale, on est à la 5e ou 6e vitesse. Donc, il y a une vraie question à se poser. L'érosion des sols, alors qu'est-ce que c'est que l'érosion? C'est vraiment le moment où les sols meurent. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce que vous voyez. Il y a toute la dégradation biologique, les dégradations beaucoup plus sournoises qu'on ne voit pas. Mais tout ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est-à-dire, je vais vous parler d'érosion éolienne, hein, quand on a de la terre dans l'air, ou l'érosion électrique, eh bien c'est ce que l'on voit à l'heure actuelle. Donc l'érosion des sols responsables, soit par l'eau, soit par l'air, c'est 4 millions d'hectares par an. Et il y a une érosion que le monde ne comprend pas, et on va aussi expliquer, c'est l'érosion des sols, la perte des sols due à l'irrigation. On demande, tous les agriculteurs du monde entier demandent à irriguer leur sol parce qu'ils n'ont pas assez d'eau, parce que ça ne marche pas, parce qu'il y a toujours quelque chose. Et l'irrigation est responsable de 8 millions d'hectares par an de désertification de sol. Les sols se salinisent et on ne peut plus cultiver. Donc le total, vous arrivez à 12 millions d'hectares par an de sol qui n'est plus voué à l'agriculture et qui donc ne peut pas nourrir les hommes. Donc c'est vrai qu'on entend sans arrêt qu'il y a énormément de gens mal nourris avec des problèmes de malnutrition, mais on a un comportement qui est absolument suicidaire si on ne change pas la donne. Alors les premiers qui ont été, dont on a parlé dans la littérature, c'est les deux vols au moment des années 30-40 aux États-Unis. Ça a été les premières choses qui ont été marquées. Je vous montre quelques photos. C'était donc au niveau du Colorado, dans ces zones-là. Les États-Unis ont été les premiers à utiliser des machines lourdes et des fertilisants, donc, et aussi des produits de traitement. Ça a détruit les sols. En détruisant les sols, il y a eu des vents importants, et à ce moment-là, toute la terre est partie, et ces gens du Colorado sont partis faire une diaspora extrêmement importante en Californie. Là, on est en France. Là, c'est une culture de blé d'hiver. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Kina, le voisin, il va attendre une culture de printemps. Hein, donc, il est obligé d'attendre. Il a labouré son sol. Il n'y a plus. On a la même pluviométrie de chaque côté. Regardez toute la boue qui est en train de descendre. Là, c'est une ravine qui s'est créée au contact des deux. Là, ça n'a pas bougé. Là, ça a bougé. On peut peut-être se poser la question. Pourquoi dans un cas, les racines tiennent le sol et que ça ne bouge quasiment pas, puis d'autre côté, l'agriculteur y perd une bonne partie de son sol? On essaie de voir comment fonctionne un milieu forestier
ou naturel, comment ça fonctionne avec sa pluviométrie, avec sa sécheresse, avec son climat, comment ça fonctionne sans qu'il y ait destruction de terre, et d'essayer de l'adapter à l'agriculture. Si on faisait ce chemin-là, je pense qu'il y a beaucoup de... et les politiques étaient sur ce chemin-là, on aurait certainement beaucoup moins de problèmes. Alors, des chiffres qui sont quand même importants. Dans le monde, 277 millions d'hectares sont irrigués. Et en France, on a augmenté entre 1970 et 2010 330% de la surface irriguée. Comment on peut imaginer ça? On peut toujours dire que c'est parce qu'il ne pleut pas assez. Mais en fait, depuis la nuit des temps, des zones de sécheresse, on en a eu. Si on prend 6 000 mètres carrés d'agriculture, on peut se dire que les hommes ont souffert plusieurs fois des problèmes de sécheresse qu'on annonce, de réchauffement climatique, ou de pluies extrêmement violentes qui n'ont pas provoqué ces dégâts. Il y a vraiment un problème de cela. Alors, c'est aussi parce qu'on est dans cette situation à l'heure actuelle, c'est grâce ou contre ou à cause de la PAC ou des subventions qu'on donne aux agriculteurs. En fait, on va les inciter à faire des cultures qui sont subventionnées, et on en parlera tout à l'heure. On a absolument oublié la vocation des sols. Et par exemple, l'île de la Réunion, c'est pas une île, on va dire, au sens agricole pour une production de blé et de bêtes. Par contre, vous étiez, l'île de la Réunion, autrefois, faisait des parfums, faisait du vétiver, faisait du géranium, faisait de la vanille. Et en fait, au nom de je ne sais quoi, pourquoi on a changé ce patrimoine et cette richesse qu'avait cette île? Et nous, on est venu travailler en 1996 sur le problème du géraniol, il y a donc 20 ans. Il y avait des problèmes énormes parce qu'on avait amené des variétés nouvelles qui concentraient moins les engrais chimiques. Et en fait, on avait des réflexions de gens qui produisaient du géranium. On disait, en disant, ben, on ne veut plus nous l'acheter parce que la Chine est concurrentielle et fait du géranium. S'il y a des gens dans la salle qui avaient de la famille qui en produisait et qui nous ont vus travailler à cette époque-là, ben, je ne sais pas, c'était deux fois plus cher, quasiment deux fois plus cher à l'île de la Réunion qu'en Chine. Mais quand c'est de la qualité, et je pense que tout le monde serait prêt, si c'est un produit de qualité, qui a du goût, quand on sait comment ça a été fait, les gens seront prêts à payer le prix. Mais là, les gens nous disaient, elle n'est pas meilleure que la Chine, elle est deux fois moins chère, et bien c'est le marché chinois qui est venu, qui a pris la place. Et puis c'est pas que pour l'île de la Réunion, c'est un peu partout pareil. Donc on a oublié la notion de vocation des sols. Alors ce que je vous disais, il faut, ça c'est les chiffres pour la métropole, on a perdu 62% de nos agriculteurs entre 1950 et 2010. Si on veut revenir à faire une agriculture qui soit respectueuse des sols, je dis bien qui soit durable et qui nourrisse, il faut que des gens reviennent à l'agriculture. On tue la vie dans les sols. Vos sols, ils sont tous riches. Bon, vous avez tous vu des vers de terre, des cloportes, enfin, quand le sol est vivant. Mais ça, c'est ce qui est le plus gros à voir. En fait, on a une faune qui est microscopique dans le sol et qui va travailler. Et on a tué cette vie, puisque c'est pour ça que nous, on dit le sol, il est vivant, il héberge la vie, par trois choses. Les engrais, ça a été la première, et dans tous les pays du monde, vous allez même en Afrique, le petit producteur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des engrais. On lui dit qu'avec les engrais, il va augmenter les rendements. Les engins trop lourds, les tracteurs qui sont de plus en plus pesants, et l'irrigation. Et ça, en fait, ça va accélérer l'irrigation, on irrigue quand il fait chaud. Les engins, c'est lourd, vous comprenez qu'on compresse le sol. Les engrais, ça va détruire cette faune. En fait, ça va minéraliser la matière organique. C'est-à-dire, vous allez la perdre. Au lieu de la stocker, elle va être perdue. Et cette matière organique, elle est indispensable pour les vers de terre, pour les collemboles, pour les acariens, pour les cloportes, pour toute cette faune. Vous avez tué cette faune, qu'est-ce qui va se passer? Le sol, cette faune, elle se déplace, vous allez voir, on a un petit film là-dessus, elle se déplace à la surface du sol, et en fait, elle fait des galeries, en se déplaçant, il faut qu'elle fasse un trou.
Donc on dit qu'elle rend le sol couscous comme une éponge poreuse. S'il est poreux, il y a deux choses qui vont se passer. L'oxygène va rentrer et surtout l'eau va rentrer. Vous n'avez plus de faune, le sol se compacte, les structures se ferment, l'eau ne peut plus rentrer, l'oxygène ne peut plus rentrer. Et à ce moment-là, ben, si le sol est en pente, l'eau va partir. Et puis surtout, ben, cette faune ne peut plus. Donc on va perdre les éléments et la faune. Le ver de terre, vous avez tous vu ses excréments, hein, on appelle ça le turricule qui est à la surface du sol. Et bien dans ces turricules, il y a tous les éléments, le calcium, le phosphore, le potassium, tous les éléments dont ont besoin la faune et la plante pour pousser. Vous avez perdu tout ça, vous allez passer au stade chimique. C'est-à-dire que comme il n'y a plus cette faune, tous les éléments vont descendre dans le profil. Ils vont descendre dans la nappe phréatique et là, l'agriculteur, on va commencer à parler de ses dégâts et l'accuser de pollueur. On lui dit, oh là là, vos nappes phréatiques sont bourrées de nitrates, vous ne vous rendez pas compte et tout. Mais oui, mais parce que c'est que la faune ne les remonte pas, donc vous les perdez. Et en les perdant, vous ne perdez pas que des nitrates, vous avez augmentation des produits, des résidus de pesticides et de produits de traitement. 90% des cours d'eau de la métropole sont pollués par soit des pesticides, soit des résidus de ces produits. Et ça, quand vous la buvez ou les poissons le prennent, ben, c'est pas très très bien. Alors, quand on a perdu ces éléments, il y en a un qui est, enfin plusieurs, mais un dont on parle beaucoup, c'est le calcium. Le calcium, il a deux charges positives. Et au début, je vous ai dit que le sol, c'était un complexe argilo-humique. Donc vous perdez le calcium il a deux charges positives. Imaginez qu'il ait deux bras. Avec un bras, il attire, il retient la matière organique qui est négative, moins. De l'autre bras, il retient l'argile qui est négative. Donc il fait le complexe argilo-humique. Il n'y a plus de calcium, eh bien, la matière organique a été consommée par les engrais, les engins trop lourds. Ben, qu'est-ce que fait ? L'argile n'est pas retenue, ben vous la retrouvez dans votre rivière. Donc tout le travail, c'est de remonter petit à petit pour qu'on puisse avoir... Alors je vais vous expliquer, voilà, le complexe argilo-humique, ça se fait comme ça. Donc on a l'humus qui est négatif, les argiles qui sont négatives. Hein. Donc c'est les plantes avec la faune, vous, quand vous faites votre compost, vous faites votre humus. Hein. C'est les plantes, la faune qui va vous faire votre humus. Les argiles... C'est les racines en profondeur qui, au contact, vont détruire, grâce aux acides, vont changer la pierre en argile. Et ça fait un élément négatif. Si vous ne faites rien, le moins par moins, c'est le problème de l'électricité, hein, s'il y a des électriciens, ils le savent, pour qu'on puisse faire une cohésion, il faut qu'il y en ait un plus et un moins. Dans le sol, vous avez du calcium, du fer, mais vous avez aussi du magnésium, avec deux charges positives. Donc quand on a ça... Ça va se rapprocher et on fait le complexe argilo-humique. Si vous avez perdu ça, vous n'avez plus vos éléments, et bien c'est les argiles qui vont se mettre en suspension dans l'eau. Si le terrain est en pente, vont glisser et vous allez le retrouver dans les rivières. Donc tout le travail, c'est de remettre ça en place. Et c'est Claude qui va reprendre la place pour vous expliquer. Donc, si on veut arrêter le saccage de cette planète, il va falloir apprendre un peu ce qu'est l'humilité, c'est-à-dire arrêter de crâner parce qu'on a les engrais chimiques et les grosses machines. Les grosses machines, c'est ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires de prothèse. Il faut éviter cette fascination. Si on veut respecter cette planète, il va falloir l'humilité d'aller la regarder comment elle fonctionne. Comment la forêt, elle le fait pour fonctionner depuis des millions d'années sans jamais faire des rivières boueuses, avoir toujours des rivières transparentes, elle fonctionne de la façon suivante. La forêt, dans les zones tropicales, elle est constamment en train de faire tomber des feuilles et des branches, mais elle est en même temps en train de faire des fleurs et des fruits, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la forêt toujours verte. Dans le cas de la forêt tempérée sur la métropole, en hiver, il fait très froid, et comme les sols arrêtent de travailler biologiquement en hiver, ben les arbres ils se mettent en hibernation, ils font comme les ours et les marmottes, c'est-à-dire ils vont perdre toutes leurs feuilles en automne. Alors, ces feuilles vont tomber sur le sol, ainsi que le bois, hein, une forêt, ça n'arrête pas de faire tomber des bouts de bois sur le sol. Et ce mélange feuilles-branches va constituer ce qu'on appelle une litière. Cette litière va être mangée par une faune très particulière qui vit uniquement à la surface du sol, qu'on appelle la faune épigée.
Vous avez par exemple à La Réunion une espèce qu'on a travaillé il y a 20 ans avec le diable, une espèce très curieuse qu'on a trouvée que sur l'île de La Réunion, qui est un gamard, c'est-à-dire en fait un crustacé d'eau douce. C'est un volcan très récent, la Réunion, à seulement 3 millions d'années. Et il y a ce gamard qui s'est adapté et qui mange la litière dans les forêts quand on monte sur les bois de couleur. On voit ce gamard qui grouille dans le sol, c'est amusant parce que nous on a des vieux crustacés qui sont les cloportes, qui sont vraiment adaptés à la vie terrestre. Eux, on sent vraiment que ça fait pas très longtemps qu'ils sont sortis de l'eau et qu'ils apprennent à manger les litières. Alors, cette faune épigée, épi hein, en grec au-dessus, et la déesse de la Terre qui a fait géographie, géologie. Cette faune épigée, elle va donc manger toute cette litière, va faire des excréments, c'est-à-dire va la réduire en éléments très très fins. Elle va permettre aux champignons, qui sont les seuls organismes au monde qui attaquent la lignine, de transformer cette litière en humus. Donc, première leçon que nous donne la nature, la matière organique se transforme en humus à la surface du sol. Donc le labour est un instrument de destruction massive des sols, puisque lui, il enfouit la matière organique et il empêche la formation des humus, car il n'existe pas de champignons anaérobiques sur Terre. Là, vous avez une expérience toute simple à faire, vous retirez un piquet en bois qui a été planté pour faire une clôture, vous verrez que le piquet est attaqué en surface et que la pointe est intacte. Il n'existe pas de champignons en profondeur, donc vous ne pouvez pas faire d'humus. C'est la raison pour laquelle une région comme la métropole qui produisait 2 tonnes de paille à l'hectare en 1900 et qui en fait 6 tonnes est passée de 4% de matière organique à moins de 2%. Pourtant, on produit 3 fois plus de paille, mais comme on enfouit cette paille avec nos gros tracteurs, qu'on trouve très très bien, et ben on empêche la formation d'humus. Donc première observation, je n'enfouis jamais de matière organique dans un sol. Là, je vois plein de gens, quand ils plantent un arbre, ils font un trou, ils mettent de la matière organique au fond, ils foutent l'arbre par-dessus, 30 ans après, l'arbre est mort parce qu'il a fait pourrir ses racines. On ne met jamais les matières organiques dans un sol. Ça, c'est la première leçon que donne la nature. On va regarder un petit peu ces animaux. Alors, vous avez d'abord la famille des colamboles, qui vont manger toutes les parties très tendres des feuilles. Alors, vous voyez, c'est un groupe très varié. Population sous forêt, population sous forêt. Donc, vous voyez, il y en a qui ressemblent à des pucerons, d'autres un peu à des chenilles, d'autres des sauterelles. Population sous forêt, 3-4 milliards à l'hectare. Avec les biens en mesure des sols agricoles en France, on ne trouve plus un seul. C'est entièrement exterminé, parce qu'on enfouit la paille en profondeur, et eux, ils vivent à la surface du sol, ils n'aiment pas vivre à l'intérieur. C'est eux qui vont faire ce travail, hein. C'est un peu les dentelières du sol. Ils vous transforment les feuilles en dentelles, ils vont manger tout l'espace qu'il y a entre les nervures. Vous avez ensuite les acariens, qui ont des mandibules déjà beaucoup plus costauds, qui attaquent des parties plus dures. Pareil, hein, 3-4 milliards à l'hectare. En général, on en trouve toujours qui survivent dans les sols agricoles, de l'ordre de 10 000 à 50 000, parce qu'ils ont des carapaces quand même plus costauds que celles des colamboles. Enfin, vous avez voilà, les crustacés, hein, les cloportes. Vous avez les millepattes qui, eux, alors les cloportes et les millepattes, ils attaquent carrément des bouts de bois, ils ont des mandibules très costauds. Puis dans le sol, vous avez aussi des prédateurs qui mangent ceux-là, hein, les pseudoscorpions, donc il y a tout un petit monde qui mange. Alors voilà, on va vous donner une idée de ce que c'est que la vie dans un sol forestier français. Vous allez voir, ça grouille pas mal. Vous voyez, c'est assez actif. Alors, vous avez des petits acariens, des acariens beaucoup plus gros. Et c'est une faune qui est encore mal connue, hein, on connaît à peu près 10% des espèces. Ça, c'est un monde extrêmement riche. Voilà un colombole qui vient de passer. Il y en a, ça, c'est les acariens qui se referment quand un prédateur arrive. Ils sont capables de se refermer comme les tortues. Alors, vous voyez, ils passent leur temps à bouger la terre. Et donc, voilà un colombole qui vient de se poser sur un acarien. Et donc, ils transforment la terre en couscous. Hein, ils passent leur temps à la digérer, à la manger, et à faire que la terre va avoir une perméabilité remarquable, une perméabilité des forêts. Ah oui, il y a encore des vers en surface qui vont manger les excréments des autres et qui continuent à affiner cette matière organique. Et à la fin, on a donc à la surface du sol ce qu'on appelle l'horizon des boulettes fécales, c'est-à-dire le sol de forestier en surface. Quand on le regarde au microscope, vous voyez, c'est comme des empilements de billes. C'est un milieu extraordinairement aéré. C'est pour ça que quand vous marchez en forêt, vous avez l'impression de marcher sur de la moquette. En fait, vous marchez sur de la merde, mais une merde extraordinairement aérée. Et c'est ce qui va permettre donc au sol forestier de boire tous les orages. Puisque un sol forestier de la métropole a une perméabilité de 150 mm d'eau-heure. Les sols équatoriaux, on a fait des mesures avec Lydia, ça monte jusqu'à 300 mm d'eau-heure, donc des capacités de boire les plus gros orages qui existent. Pour vous donner une idée, un limon labouré région parisienne, perméabilité 1 mm d'eau-heure. Et on divise par 150, et après on accuse la pluie de faire des inondations. Alors c'est pas la pluie qui fait les inondations, c'est simplement que les sols n'ont plus cette faune qui permet d'aérer les sols. Alors les arbres se sont adaptés à cette organisation, et ils ont un double enracinement horizontal qui se met sous l'humus,
On peut se demander pourquoi les arbres, au cours de l'évolution, ont mis les racines horizontales. Ben, c'est qu'en fait, au printemps en Europe, et puis ici toute l'année, chaque fois que de l'humus va se minéraliser, donc transformer en nitrate, phosphate, sulfate, il va être récupéré par les racines horizontales et renvoyé dans l'arbre. Donc, deuxième observation du système naturel, le système sol-plante est fermé, puisque la matière organique est au-dessus des racines, et donc tout ce qui sort de la matière organique est récupéré par les racines. Nous, avec le labour, on met la matière organique sous les racines, donc ça va polluer la nappe, et ce n'est pas récupéré par les racines, puisqu'on a mis la matière organique dessous. Et ensuite, les arbres, ils ont un deuxième enracinement qui va plonger jusqu'à la roche, et qui va l'attaquer. En attaquant la roche mère, ils vont la transformer en argile. Alors, dans l'ensemble de la Réunion, ce n'est pas de l'argile parce que vous êtes en milieu volcanique, donc vous êtes sur des angles, sur ce qu'on appelle des allophanes, c'est des structures un peu différentes des argiles, des structures minéralogiques en cage qui ont les mêmes propriétés que de retenir les éléments nutritifs. Et à cette profondeur-là, bah, évidemment, comme on arrive dans des endroits où il y a moins d'oxygène, bah, il y a une faune, il y a des racines qui meurent, de nouvelles racines qui arrivent, et heureusement, il existe une faune qui mange les racines mortes, c'est ce qu'on appelle la faune endogène. Alors on retrouve des colamboles aveugles, des animaux qui vivent vraiment toujours dans l'obscurité, des acariens, certains sont, alors là, sont encore plus mal connus que ceux de surface, donc des espèces étranges, on se demande comment ils circulent à l'intérieur du sol avec des pattes pareilles, enfin, apparemment ça marche. On a aussi, et quand on arrive au contact de la roche-mère, ben, la roche-mère est absolument tapissée d'excréments de ces animaux. Alors pour nous c'est amusant parce que quand on montre ça aux agriculteurs, on les fait regarder dans le microscope, puis on leur dit c'est quoi ça? Ben, ils nous disent c'est des crottes. Oui, c'est des crottes. Et puis quand on emmène des scientifiques de l'INRA, on leur dit c'est quoi ça? Bon, je sais pas. Parce qu'eux, ils regardent l'ordinateur, hein, ils ne regardent pas la nature. Hein, donc évidemment, on ne peut pas savoir si ce sont des crottes. Donc, ce qui est intéressant, Lydia vient de l'expliquer, le sol, c'est un complexe argilo-humique. Comment je fais pour réunir argile et humus alors que les humus se forment en surface et l'argile en profondeur par l'attaque de la roche par les racines? Il y a une troisième espèce, alors celle-là vous la connaissez tous, c'est les vers de terre, les lombriques, qui donc, certains ont de très grosses tailles. En France, on a une espèce qui fait 1 mètre de long. Dans l'Oregon, il y a une espèce qui fait 6 mètres de long, donc il y a des gros costauds. Qui vont donc, ils sont très sensibles aux pesticides, vous voyez qu'ils viennent tout blanchâtres quand on met des pesticides sur le sol. Normalement, ils doivent être d'une belle couleur brillante. Et puis voilà les excréments qui remontent constamment les éléments nutritifs à la surface du sol. Donc ces animaux vont mélanger, hein, ils passent leur temps à monter, à descendre, et ils vont mélanger argile et humus dans leur intestin, et il se trouve que leur intestin contient une glande, la glande de Morène, très riche en calcium, qui va permettre la tâche des argiles et des humus. Donc ce sont les vers de terre, avant que l'homme intervienne, et sont plus lourds que tous les autres animaux du monde réunis, hein, c'est les animaux les plus pesants de la planète. Bon là, nous on les extermine bien, dans la métropole on est passé de 2 tonnes de vers de terre à l'hectare dans les années 50 à moins de 100 kilos, mais normalement il y a beaucoup plus lourd de vers de terre que de vaches dans une prairie, sauf qu'on ne les voit pas. Alors deuxième groupe d'organismes qui vivent dans le sol, les racines. Alors la nature a développé deux modèles complètement différents, le modèle des plantes annuelles, qui sont des plantes qui ont besoin de pousser très vite puisqu'elles vont faire leur graine, leur reproduction le temps d'une saison. Et elles vont donc avoir des racines qui poussent très vite. Et comme le sol est un milieu qui est quand même assez siliceux, elles vont se protéger par une coiffe qui leur permet donc d'avancer dans le milieu sol sans détruire leurs cellules. Et tout de suite à l'arrière, elles commencent à allonger les cellules racinaires pour former ce qu'on appelle les poils absorbants. Hein, pour vous donner une idée, un riz, c'est 200 km de racines. Et à peu près 5000 km de poils absorbants. Donc on met 200 grains de riz au mètre carré, ça fait à peu près 4 milliards de kilomètres de racines à l'hectare. Vous comprenez pourquoi les céréales sont très structurantes des sols. Et tout ça, ce sera mangé par la faune endogène pour permettre à la culture suivante d'avancer. Ensuite, il y a un deuxième choix, c'est les arbres, les plantes pérennes, qui elles n'ont pas de poils absorbants et qui vivent donc en association avec des mycorhizes. Alors voilà une racine d'arbre avec ses mycorhizes, vous voyez, ça fait un manchon de champignon au bout de la racine de l'arbre et le mycélium du champignon va faire l'équivalent du poil absorbant, il va venir chercher la nourriture dans le complexe argilo-humique. Alors c'est une symbiose, hein, l'arbre donne du sucre au champignon et le champignon va lui chercher la nourriture. Alors ça permet aux arbres de coloniser des milieux extrêmement argileux. Voilà par exemple des racines de vigne dans un sol à plus de 75% d'argile, là où un blé ne pourrait pas rentrer, une céréale ne pourrait pas rentrer, ben, l'arbre il a le temps, il est patient et il y va avec ses mycorhizes, il est capable, on dit que ce sont des plantes pionnières, hein, ils sont capables de restaurer les sols les plus ruinés de la planète. Troisième organisme du sol, les microbes. Alors ceux-là, on ne les voit pas du tout, il faut un microscope pour les voir.
Et leur travail, ça va être de rendre les éléments assimilables aux plantes. Les plantes sont incapables de manger dans le sol, c'est les microbes qui leur donnent à manger. Et pour pouvoir donner à manger aux plantes, qu'est-ce qu'ils font? Les microbes, ils vont rendre les éléments solubles. Si un élément n'est pas soluble dans l'eau, comme la plante absorbe de l'eau par ses racines, ben la plante ne peut pas le manger. Pour qu'ils puissent transformer, fixer l'oxygène, il faut que le sol soit comment? Aéré. Qui aère le sol? La faune. Et c'est comme ça que les marchands d'engrais ont ruiné les agriculteurs. Ils ont balancé des engrais qui ont brûlé la matière organique, ils ont tué la faune, plus d'aération, plus de production de nitrate, de phosphate, et ils sont arrivés à la gueule en farinant les agriculteurs. Nous, on va vous vendre du nitrate, du phosphate, du sulfate, sauf que celui des microbes était gratuit, alors que celui-là, évidemment, il est payant. Et c'est comme ça qu'on a ruiné le monde agricole. C'est en leur se gardant bien de leur expliquer comment fonctionne un sol et comment on peut nourrir. Alors en plus, on vous raconte, plein d'histoires, on vous raconte que c'est pas dans la chimie, qu'on est tous morts de faim, c'est un énorme mensonge, parce qu'il se trouve que les plantes, l'essentiel de leurs aliments, c'est pas dans le sol qu'elles le prennent, c'est dans l'air. Les plantes sont des organismes très différents de nous. Si vous voulez comparer les plantes à des mammifères, les plantes, c'est des mammifères qui ont la tête plongée dans le sol et puis les organes sexuels et l'estomac à l'extérieur. Et ils fonctionnent pas comme nous. L'estomac d'une plante, c'est sa feuille. Avec sa feuille, elle va être capable de récupérer trois atomes, le carbone, l'oxygène et l'hydrogène, qui font 94% du poids de la plante. Grâce à une réaction qui s'appelle la photosynthèse. Quand on vous raconte que sans engrais on ne peut pas manger, il faut arrêter de mentir aux gens. 94% des plantes, c'est le soleil. Et en plus, vous avez la chance d'être en pays tropical, où la photosynthèse est beaucoup plus performante que chez nous. Nous, on a des plantes en C3, vous avez des plantes en C4, et c'est dans les pays tropicaux qu'il y a plus de gens qui crèvent de faim. C'est des scandales politiques, ça n'a rien à voir avec des problèmes d'agronomie, c'est des problèmes de scandales politiques, mais c'est pas, si on laisse les paysans tropicaux bien gérer leurs terres, ils mangeront. Alors, ça c'est donc la quantité, hein, 94%. La qualité, c'est-à-dire le goût que vous allez avoir dans un aliment, lui, il va venir du sol. C'est pour ça que les produits hors sol n'ont strictement aucun goût. Une tomate hors sol, ça ressemble à une tomate, c'est rouge, mais ça n'a pas de goût. Pourquoi ça n'a pas de goût? Parce qu'il n'y a pas tous les microbes qui vont lui donner les 24 atomes dont on connaît à l'heure actuelle le rôle, qui sont prélevés dans le sol. C'est pour ça que la notion de terroir, c'est lorsque vous mettez en vie votre sol, vous allez avoir ce goût très particulier qui fait qu'une carotte nantaise n'a pas le même goût qu'une carotte du bassin parisien, ou qu'un vin de Bourgogne n'a pas le même goût qu'un vin de Bordeaux. C'est dû au fait que vous n'avez pas toute cette qualité gustative, c'est le sol qui va vous la donner, à condition qu'il y ait une activité biologique dedans. Alors comment réparer les sols détruits? Bien, ce qu'il faut essayer de faire comprendre depuis 30 ans aux agriculteurs, c'est que ce n'est pas d'engrais chimiques dont ont besoin les sols, c'est de matière organique. Le fioul, le carbone, c'est le fioul des microbes, et les microbes, ils ont besoin de matière organique pour travailler et pour pouvoir vous donner tous les oligo-éléments dont vous avez besoin et tous les goûts. Donc pour ça, on peut soit apporter directement, on peut mulcher le sol, c'est-à-dire on met une couverture de paille pour qu'il ne subisse pas la chaleur du soleil et le choc de la pluie. On peut utiliser le bois ramial fragmenté, c'est-à-dire le bois de taille des haies, le bois de taille des arbres fruitiers, le bois de taille des vignes, etc., qu'on met sur le sol en le broyant. Et puis pour les céréaliers qui ont des surfaces trop grandes pour pouvoir mettre directement du compost, du mulch ou du PRF, on va leur apprendre à ne plus labourer. C'est-à-dire on va leur apprendre à semer directement dans les couverts, ça va toujours couvrir le sol. Donc ça, c'est un choc psychologique très compliqué. Enfin, arrêter de labourer à l'agriculteur, c'est vous toucher à un mythe, vous êtes dans de la mythologie, vous n'êtes pas du tout dans l'agronomie, il faut casser un mythe, et ça, c'est très compliqué. Voilà aussi ce genre de choses qu'on essaie de faire arrêter, c'est les concours internationaux de labour. Vous allez voir, on est très fiers de faire ce genre de conneries. Regardez ça, la guerre déclarée à la planète. Et on en est très fiers, c'est réalisé ça. Ils éventrent, ils sont contents. Là, ils sont en train de tuer, ils sont en train d'exposer tout le sol au soleil. Il faut savoir qu'un sol qui est labouré, quand le soleil va au mois d'août, en général, ils font ça au mois d'août, il monte à 52 degrés. La température de pasteurisation qui tue tous les microbes, c'est 41 degrés. Ça a été défini par Pasteur. À 52 degrés, tout est mort. C'est-à-dire que vous mesurez l'activité biologique d'un sol avant le labour et après le labour, ils ont tout flingué. Et ils sont très fiers. Donc on utilise des semoirs qui sont assez particuliers, ce sont des semoirs avec un disque qui fend le sol, il y a un deuxième disque qui fait un espace, et on fait, il y a un disque qui fait une fente, il y a les graines qui tombent, et vous avez une roue à l'arrière qui referme simplement le sillon.
Donc c'est un choc terrible parce que c'est fini, on ne voit plus le sol. Donc là, les électeurs, ils sont très malheureux. Voilà, vous voyez, on les fait semer là-dedans. Donc vous comprenez le traumatisme. Hein. Ça fait des traumatismes assez violents. Donc ça, c'est une plante qui gèle. Donc on n'a pas besoin d'herbicide, rien du tout. Pas de démarrage de mauvaises herbes parce que ça, ça sert de couvert. Ça étale. Voilà, on va vous montrer. Alors maintenant, on a perfectionné parce qu'au début, on n'avait pas de rouleau à l'avant des tracteurs. Donc maintenant, on met un rouleau à l'avant. Donc là, c'est un mélange dominé par le tournesol qui a été semé donc, juste après la moisson. Et on sème, vous voyez, donc vous avez le rouleau à l'avant qui écrase le couvert, et derrière on sème. Moi je peux vous dire que c'est des chocs pour les agriculteurs. Donc la plante intercalaire, elle a pompé tous les engrais que le blé n'avait pas consommé, donc elle vous laisse un sol propre sans engrais, et elle va servir de couvert, et quand elle se décomposera au printemps, qu'elle nourrira le blé, et ça permet de le diviser par deux ou trois les engrais. Et là on arrive à arrêter complètement l'érosion. Mais évidemment, là, il y avait tous les agriculteurs qui étaient venus, qui disaient « Mais vous êtes complètement fous, mais qu'est-ce que vous faites ?» Alors, on dit « Voyez, on essaye de faire une agriculture respectueuse des sols. » Donc c'est un vrai changement de mentalité, hein, mais c'est la nature ne laisse jamais les sols nus, donc il va falloir qu'on apprenne à ne jamais laisser un sol nu et à toujours le couvrir. Voilà par exemple un colza en train de germer dans la paille de blé. Oui, on n'a pas du tout touché au sol, et vous voyez, ça germe très bien. Hein. Alors quand vous êtes sur des sols franchement ruinés, complètement détruits, il n'y a plus rien qui pousse, enfin juste une végétation rase, de tout ce que nous avons travaillé depuis 20 ans avec l'IGA, la plus efficace c'est l'épandre du bois ramial fragmenté. Donc prenez du déchet, soit des déchets verts, soit du bois de taille, et vous l'épandez directement sur le sol. Vous prenez un semoir de semis direct, et à travers cette couche de bois ramial fragmenté, vous semez des plantes, sans toucher surtout, hein. Et à ce moment-là, le mycélium des champignons se multiplie, attaque tout ce bois et va donc relancer toute la vie du sol, parce que les champignons, c'est les deux tiers de la microflore, ils vont servir à nourrir les acariens, les colamboles, et ils vont fabriquer des humus. Donc on n'hésite pas, hein, on va jusqu'à 8 cm pour des sols latéralisés d'Afrique qui sont très esquintés, où il n'y a plus rien qui pousse, on met carrément des couches épaisses, et vous voyez les plantes qu'on a semées, qui sont en train de pousser, sur un terrain où il y a, là on est sur une zone dans la Causse en France, où il y a, dans la métropole, où il n'y a plus d'agriculture depuis 150 ans. Puis on a entièrement reverdi le Causse. Alors là il y a une route, les agriculteurs ils s'arrêtaient, ils n'avaient jamais vu ça de leur vie, ils n'avaient jamais vu pousser pour eux des terres mortes. Et donc ils ont commencé à raconter qu'on avait amené des OGM des États-Unis, qu'on avait un produit miracle, enfin ils ont fantasmé comme des malades. Alors voilà une autre grosse catastrophe écologique, pas loin de chez vous, c'est Madagascar. Donc une île qui était entièrement couverte de forêts, et qui a une érosion tout à fait particulière qu'on appelle l'érosion en lavac, avec carrément, on a l'impression qu'il y a des pelleteuses qui arrachent les collines, et les rivières qui sont des rivières chocolat, tellement il y a de terre dedans. Et là, donc, on a travaillé sur des zones où il n'y a plus d'habitants depuis 50 ans, 60 ans, c'est des zones totalement désertifiées sur le plan humain. Alors voilà ce qu'on fait, il pousse une végétation rase qui survit sur ces sols ruinés, c'est une graminée qui s'appelle Aristida. Donc on apprend aux paysans malgaches à faucher cette herbe et on fait un mulch sur le sol. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous faites un mulch? Eh bien quand on mesure avec un thermomètre des sols comme ça, alors là on n'est plus en France, hein, on est à Madagascar, on monte à plus de 70 degrés, donc tout est mort biologiquement. Le simple fait de faire un mulch, le sol ne dépasse pas 28 degrés en température, immédiatement l'activité biologique repart et vous pouvez faire du riz, vous voyez même sur des zones en pente, donc c'est du riz pluvial, hein, c'est pas du riz irrigué, on fait du riz pluvial dans des zones où les agronomes considèrent que c'est fini, on ne peut plus rien faire pousser. Ça, le but étant toujours de relancer cette activité biologique pour pouvoir à nouveau nourrir des hommes. Alors on fait planter le riz soit au tico-tico pour ceux qui sont très pauvres, ça c'est un petit instrument qui coûte 10 dollars. On a, comme beaucoup sont illettrés, on leur met deux couleurs différentes, une où on met la graine et l'autre côté où on met un tout petit peu d'engrais organique pour que ça parte et ils plantent ça, ils ont appelé ça tico-tico, ça se fait tico-tico, et ils plantent le riz comme ça. Et puis les plus fortunés qui ont la chance d'avoir la traction animale, mais ils sont rares parce que ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir un cheval, on fait fabriquer par le forgeron, tout ça c'est fait par les forgerons du village, donc c'est intéressant, on n'a pas besoin de passer par les multinationales comme Hollande. On fait travailler la main d'œuvre locale, avec des bidons de lessive, des vieux bidons de lessive et tout, on leur fait des disques, et on sème directement à travers les couvertures. Hein, donc ce qu'on essaie de faire comprendre aux agriculteurs, c'est qu'il y a des méthodes pour garder une activité biologique dans les sols, plutôt que de pratiquer cette espèce de désertification mondiale de nos sols agricoles. Voilà, on vous remercie pour votre attention.